Salut à tous. Mi-temps, non féminin à variable. Définition, dans plusieurs sports d'équipe, chacune des deux parties d'un match, séparée de l'autre, par une période de repos. Alors bienvenue dans ma mi-temps. Bienvenue dans l'espace-temps médiatique, sans artifice, sans piège et sans langue de bois, où la sincérité sera le fil conducteur de l'émission. Pour celle-ci, j'ai l'honneur de recevoir le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, M. Clément Grenier. Salut Clément, comment ça va? Salut Sydney, ça va très bien, merci. Alors, tu connais un peu le concept de l'émission. Si tu es ici, c'est que tu as des choses à dire. Moi, j'ai pas mal de questions à te poser. Donc, est-ce que tu promets de dire toute la vérité et que rien ne t'oblige? Oui, pas de souci. Ok, bon, on est parti. Alors, on va commencer par le commencement, ce qui est logique. Donc, d'où viens-tu exactement? Je suis né à Annonay, en Ardèche. J'ai grandi à Annonay pendant 8 ans à peu près. J'ai déménagé sur Sablon, qui est à 15 minutes d'Annonay, et mes parents sont toujours là-bas. Et j'ai eu la chance d'arriver à Lyon à l'âge de 11 ans. D'accord. Et le foot? Pourquoi le foot à la base? Pourquoi le foot? Bah, tout simplement parce que, on va dire que c'est familial. Mon père a joué au foot très longtemps. J'étais au berceau, il m'emmenait sur les bords du terrain. Ma maman a toujours aimé le football et nous a toujours suivis. Et naturellement, je suis venu au football très tôt. J'ai commencé avec mon frère qui a 2 ans de plus que moi, donc voilà, j'ai toujours été le petit qui suivait les grands, et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et alors, c'est donc, on va dire que c'est un peu ton frère, ton père et même ta mère qui t'ont emmené au foot, et donc naturellement t'as pris une licence et moi, ouais, exactement, j'ai commencé à l'âge de 4 ans à Annonay. Mon père était entraîneur, mon frère avait l'âge de commencer à jouer, et voilà, donc du coup j'ai suivi simplement, et c'en est devenu plus qu'une passion, j'ai envie de dire. Et après, dans tout ça, relativement tôt, l'Olympique Lyonnais, 11 ans il me semble. C'est ça, ouais, 11 ans. Un petit peu avant même, ils avaient pris contact avec mes parents. Bon, c'était très jeune, moi j'étais un petit peu inconscient, donc je ne me rendais pas compte, mais pour mes parents c'était un petit peu compliqué, donc ils n'ont pas voulu me laisser partir tout de suite. Et puis à l'âge de 11 ans, on a décidé tranquillement que je puisse rejoindre Lyon, même si la première année je venais que 3 fois par semaine plus le match, donc ça faisait beaucoup d'efforts pour mes parents, les allers-retours. Et puis après j'ai intégré l'internat à Saint-Louis-Saint-Bruno. Et comment t'as vécu cet éloignement assez, parce qu'11 ans c'est quand même jeune, avec ta famille, tes amis, ton quotidien que tu connaissais à Annonay, comment t'as vécu ça, c'est arrivé à Lyon? Bah, au départ c'était un plaisir de rejoindre un grand club. Après c'est vrai que quand on est jeune, on se rend pas compte de tout ça, mais pour moi c'était un plaisir. Après tu sais aussi, il y a des bons moments, on vit de super moments, puis il y a des moments un petit peu plus difficiles, pardon, et voilà, les amis manquent, la famille manque, le quotidien, voilà, comme un jeune de notre âge qui finit l'école et qui rentre manger, goûter en famille, s'amuser avec les potes. Là, c'est un petit peu différent, mais bon, après il faut s'y habituer. Je m'y suis assez bien habitué, donc ça va. D'accord. Et après ça, si je réfléchis bien, il y a une petite coupure où tu as été en famille d'accueil, il me semble, à Lyon, dans la famille d'un joueur aussi, un joueur professionnel actuel, donc tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, exactement. C'est vrai que pour moi, après, à un certain moment, ça a été compliqué de rester un petit peu à l'internat. J'avais 1 an d'avance, donc changer complètement d'école sur Lyon. Donc j'avais tout Lyon à traverser en transport en commun, et pour moi, c'était compliqué. J'étais à un moment aussi où j'en avais un petit peu marre, et mes amis et ma famille me manquaient. Et là, j'ai eu la chance d'être reçu comme un enfant de la famille, dans la famille réelle. Donc je jouais avec Enzo, et ses parents, toute sa famille m'ont accueilli durant une année. Et ça a été l'une de mes plus belles années. J'étais comme chez moi, en fait. Et donc là, ça nous emmène à quel âge? Bah là, j'étais sur ma 15e année. Je devais avoir 15 ans. Et là, au niveau du football, il se passe quoi? Il y a, à partir de 15 ans, on commence à entrevoir un peu peut-être une carrière professionnelle, des objectifs un peu plus profonds. Et aussi en même temps, les sélections de jeunes que tu as connues. Ouais, les sélections de jeunes. Après, comme je te le disais auparavant, moi, ça a été une année compliquée parce que, comme je te le dis, voilà, par rapport aux entraînements, ça n'a été pas une année très bien au niveau du football, même une année très difficile, que ce soit pour moi et pour mes parents, parce que j'avais décidé aussi à un moment donné de vouloir arrêter complètement le football. J'avais envie de rentrer, tout simplement, de retrouver les amis et de retrouver une vie un petit peu normale. Et en fait, ça s'est passé, on va dire, je sais pas comment te le dire, mais
J'arrivais à une période où il y avait aussi les sélections, tu sais, Rhône-Alpes, où on a une coupe nationale à la fin de la saison. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ça m'a un petit peu relancé mentalement et me redonné envie de jouer au football. Et à partir de ce moment-là, l'OL m'a proposé un premier contrat aspirant que j'ai accepté. Et depuis, ben, on va dire, tout s'est déroulé normalement. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que tu étais un peu lancé dans le système, dans le circuit professionnel. Donc la finalité pour toi, c'était vraiment de devenir un joueur professionnel au plus haut niveau possible. Ouais, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai intégré le centre de formation et là, on se rend vraiment compte que ça devient un petit peu la compétition et un objectif. Quand on est un petit peu plus jeune, on pense à prendre du plaisir, même si c'est toujours le cas, mais vraiment prendre du plaisir, à s'amuser, à rigoler. Et quand on rentre au centre de formation, c'est un petit peu plus professionnel. Donc, ouais, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on pense à peut-être faire une carrière. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me suis un peu laissé aller à des gens qui m'ont un peu parlé de toi. Et là, j'ai eu plusieurs sons de cloche. Il y a le son de cloche où, oui, c'était un très bon joueur, élégant, technique, comme tu l'es actuellement, mais avec un caractère un peu compliqué. Ouais, après, je pense qu'on a tous nos caractères. Avec le recul aujourd'hui, ouais, bien sûr, à l'âge de 17 ans, on va dire, parce que avant ça, voilà, j'étais vraiment concentré à jouer au football, à prendre du plaisir, à travailler au quotidien, à l'entraînement, à gagner des matchs, à être performant, à rejoindre les sélections de jeunes. Et c'est vrai qu'à partir de 17 ans, où j'ai signé mon premier contrat professionnel, là, voilà, tout bascule, on gagne beaucoup d'argent très vite, on n'y est pas préparé, on va dire. J'étais pas préparé du tout et je quittais aussi le centre de formation et j'arrivais dans mon appartement à Lyon où là je retrouvais donc tous mes amis d'enfance que j'avais perdu un petit peu durant ma jeunesse et en fait bah, je retrouvais ce qui m'avait manqué pendant un certain temps et donc on va dire que le foot était plus prioritaire à ma vie. J'avais seulement envie de passer du temps avec mes amis qui habitaient tous aux alentours de chez moi donc voilà, ça a été une belle année pour moi. Sur le plan de la vie en dehors du football, après sur le terrain, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué et c'est vrai que j'avais mon caractère qui me faisait défaut de temps en temps. Oui, parce qu'on m'a souvent parlé de ton caractère, justement. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose d'avoir du caractère, mais ce qui est revenu souvent dans les discussions avec les gens, c'est aussi ce côté jalousie. Je pense que tu as été énormément jalousé à cette période-là, justement, où tu étais un peu jeune, où tu commençais à gagner plus d'argent que les autres, et comme je te connaissais un petit peu, ton élégance sur le terrain faisait que tu étais forcément jalousé. Et comment tu as pu combattre tout ça pour passer encore à l'échelon supérieur? Moi, ouais, je pense que tu as raison sur certaines choses. Après, moi, j'étais aussi pas assez intelligent pour passer au-dessus de ça. Et donc, je me confrontais à tous ces petits problèmes sans les contourner. Alors que pour moi, c'était des petits problèmes. Après, quand on est jeune, on ne sait pas comment s'y prendre. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir mes parents déjà, d'avoir mes agents aussi qui m'ont beaucoup aidé. Tous mes amis d'enfance aussi que je retrouvais en dehors du football qui me faisaient évacuer un petit peu tous ces moments difficiles sur le terrain. Mais après, ça s'est fait un petit peu naturellement. Je pense que, comme je le dis souvent, cette année-là, où voilà, sans me cacher, j'ai fait un petit peu la fête, j'ai retrouvé mes amis, mon quotidien, ce qui m'avait manqué pendant un certain temps. J'en ai profité et puis un jour, mon père il m'a dit écoute, Clem, c'est soit tu continue à jouer au foot, soit tu prends une autre direction, mais tu peux pas faire les deux, ça va être compliqué pour nous et pour toi. Donc là, j'ai pris conscience que voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir être professionnel et savoir ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que je me suis vraiment repenché à 100% sur le football, ce qui était passé un petit peu en second plan. Et c'est pour ça que j'ai continué à avancer petit à petit. Alors, à partir de ce moment, il y a ton arrivée dans le groupe professionnel, tu es relativement jeune, donc il y a l'insouciance de la jeunesse, mais il y a aussi, tu trépides quoi, tu trépides d'impatience de pouvoir te confronter aux autres, de montrer quel est ton réel niveau. Donc comment tu t'en es sorti à ce moment-là? Ouais, c'est vrai qu'on est souvent impatient, mais quand je suis arrivé dans le groupe pro, j'ai eu la chance de côtoyer des très grands joueurs comme toi, Johnny. Beaucoup d'exemples pour nous, parce que vous sortiez de beaucoup de titres, et donc pour nous, vous étiez des exemples. Donc des fois, on n'est pas perçu comme on voudrait l'être, parce que pour moi, il y avait énormément de respect, j'étais énormément à l'écoute de tout le monde, même si, bien sûr, on est très impatient de jouer, et de montrer nos qualités. Et de se dire aussi dans nos têtes qu'on est meilleur que certains. Mais
avec le recul, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et quand on est jeune, 17, 18 ans, de rentrer dans un groupe comme ça, c'était très compliqué. Donc déjà, de s'entraîner, c'était très bien et de pouvoir progresser au quotidien, c'était une chance. Et voilà, j'ai eu la chance d'être à l'écoute de ces joueurs-là. Et pour moi, ça m'aide beaucoup aujourd'hui au quotidien. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on va dire que tu t'es imposé petit à petit dans le groupe pro, de là devenir aujourd'hui un leader technique, un leader aussi de parole, parce qu'on voit beaucoup parler sur le terrain. Et je veux faire justement le relationnel avec quelqu'un, je pense que tu apprécies beaucoup, Max. On m'a dit que tu étais fidèle en amitié. Parle-nous un peu de ce qui te lie avec Max. Bon, beaucoup de choses, parce que voilà, comme je te le disais tout à l'heure, je suis arrivé très jeune. Max est arrivé très jeune, il est mon aîné de 2 ans. Donc voilà, j'ai tout le temps été avec lui. J'avais 1 an d'avance, il avait redoublé, je suis obligé de le dire. Donc on était dans la même classe et du coup on s'est jamais séparés jusqu'à l'âge de 17 ans où lui a eu son appartement. Donc lui il avait 19 ans, il venait de signer aussi son contrat professionnel. Et on est liés depuis toujours, avec deux caractères très différents. Max qui est quelqu'un de tranquille, qui a des soucis avec personne, qui ne se prend pas la tête, et moi qui suis là a toujours un petit peu crié, m'énerver, m'agacer, et lui c'est vraiment tout le contraire, donc on est assez complémentaires aussi de ce côté-là. Et par la même opportunité, vous avez connu tous les deux à peu près en même temps l'équipe de France. Donc qu'est-ce qui s'est passé justement dans cette arrivée en équipe de France, surtout qu'est-ce que ça représente pour toi le maillot bleu? Ouais, ça représente beaucoup de choses. Jouer pour l'équipe de France, c'est le summum, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un footballeur. On est arrivé en même temps, je pense que Max est arrivé 1 an avant moi, mais on n'y est jamais allé en même temps en fait, on n'a jamais été sélectionné en même temps, mais voilà, j'espère que ça sera le cas très vite, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est le summum, c'est un rêve de gosse et de pouvoir représenter son pays sur des matchs et des compétitions de ce niveau-là, c'est une chance. Et parlons-en de cette Coupe du Monde justement, qui arrive très prochainement. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quels sont tes premiers souvenirs d'une Coupe du Monde? Mes premiers souvenirs, comme tous les jeunes de mon âge, je pense que c'est la Coupe du Monde 98. J'étais très jeune, mais à la fois déjà très concentré sur cette compétition. On a eu la chance de la remporter en France. Donc pour moi, c'est vraiment le premier grand souvenir, que ce soit en tant que supporter du football et supporter de la France. Et voilà, aujourd'hui j'ai la chance de faire partie d'un groupe France en espérant aller à cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux et quel que soit voilà, l'issue de la compétition, d'en faire partie c'est une grande chance, et de donner le maximum pour représenter tous les Français qui sont derrière nous, c'est pour moi et pour nous je pense une grande fierté. Et justement, il y a eu une période où bon, l'équipe de France était énormément décriée. D'arriver un peu après ça, je pense que ça a dû être difficile pour vous d'endosser les responsabilités des erreurs faites par le passé. Mais bon, aujourd'hui, vous êtes réussi à vous qualifier. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti d'un point de vue personnel le jour de cette qualification? Déjà, dans un premier temps, je pense que voilà, il y a des erreurs dans tout métier, de partout. Voilà, ça a été une erreur, tout le monde le sait. Maintenant, c'est du passé, il faut s'en servir et passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire et d'avoir pu se qualifier comme on l'a fait contre l'Ukraine au Stade de France, avec tous les Français derrière nous et tous les supporters au stade. On a vraiment ressenti un pays vraiment concerné par le même objectif, pardon, qui était d'aller à la Coupe du Monde et de représenter la France. Et pour moi, je pense que c'est la plus grande émotion qui, depuis le début de ma jeune carrière, parce que de se qualifier, alors personne nous attendait à ce niveau-là, et le match qu'on a pu faire, bon, moi j'étais sur le banc, mais j'ai vécu un moment inoubliable et voilà, ça restera gravé. Maintenant, c'est aussi ça du passé, il faut s'en servir pour pouvoir être performant à la Coupe du Monde. Non, je te souhaite plein de bonnes choses. J'ai une sélection pour la Coupe du Monde, plein de bonnes choses avec ton club. Mais il y a un petit détail que je voudrais reparler, dont je voulais reparler avec toi. Il y a d'autres sports que je crois que tu aimes dans la vie. Ouais, je suis fan de sport en général, mais je suis bien tennis. Ouais. Le ping-pong? Ping-pong aussi, ouais. Aussi? Ouais. Donc on peut faire un match l'un contre l'autre ou on peut le dire? On peut le dire si on tu On peut veux. Le dire? Je t'accorde ta revanche? Ouais, je prendrai ma revanche. Merci beaucoup.
Merci à toi, Sid. Ça a été un plaisir de te recevoir. Pour moi aussi, j'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions et toutes tes anecdotes que t'as bien trouvées et bien cherchées. Tout a été parfait. Je te remercie et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve pour notre prochaine mi-temps. À bientôt.